Et eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, d'une map qui est sortie tout fraîchement euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, bref, quelques jours, il y a vraiment quelques jours. Et c'est une map, les amis, avant de commencer cette, euh, cette vidéo, c'est vraiment une map qui me tient à cœur. C'est vraiment une map que j'ai vraiment surkiffé sur FS17. J'ai fait une série, j'ai fait également, je crois, le choc des générations, si je ne dis pas bêtises, à l'époque, les plus anciens. Euh, me corrigeons mais je crois que c'est ça bien sûr ceux qui étaient là à cette époque là bah, connaissent ces séries là que j'ai fait euh, où je vous présentais un matériel de même marque à peu près du, un, par exemple un tracteur de, de, de par exemple de 200 chevaux environ 200 chevaux un d'ancienne génération et une dernière génération et puis on utilisait les deux matériels euh, dans euh, la vidéo voilà c'était plutôt sympa ça vous avez beaucoup beaucoup plu à l'époque et cette carte Vogelsberg voilà parce que je sais même pas si je vous ai dit le nom je l'aime tellement c'est important elle n'a rien non plus de surkiffant elle n'a pas de production, elle n'a pas de. Elle n'est pas compatible mode saison, pardon, pour le moment. Voilà, il y a plein de choses qui, qui font qu'elle n'est pas non plus. On n'est pas comme un dingue sur la carte, mais. Maintenant, on n'est pas pourquoi, les gars, je l'aime, mais je m'y retrouve tout de suite avec ce bâtiment-là. Euh, il me semblait que c'était là qu'on pouvait. Euh... Ah, ça a dû bouger de place, d'ailleurs, parce que c'était ici qu'on pouvait réparer à l'époque nos véhicules, je crois. Bon, bref. Donc là, c'est bien sûr le, le matos de base, pardon, quand on commence la partie. Bien évidemment, vous avez le petit lac, le petit euh, enfin, le petit lac, le petit point d'eau ici pour venir chercher de l'eau. Normalement, ça fonctionne. Le petit bâtiment ici, je le connais. Ça, c'est un stockage à place. C'est des missions sur le Du coup, je n'ai pas découvert la carte, les gars. Je me fais vraiment le, la, le, le loisir de la découvrir avec vous. Et ça n'a absolument pas changé. Il me semble que là, bien sûr, on pouvait éteindre et allumer le bâtiment. C'est ça. Donc, on va essayer de faire assez vite malgré tout. Parce que vous allez voir que la map n'est pas très, très grande. Je ne pas montré sur le PDA et je vais le faire. Euh, le PDA, très très clair. On peut acheter chaque parcelle, bien évidemment. Ça c'est cool. Euh, le PDA est vraiment. Voilà, c'est vraiment une petite carte qui sera plus pour du solo, multi, mais bon. Euh, tout est regroupé ici en fait. Hein. Tous les animaux sont là. Vous avez les moutons qui sont. Euh... Enfin les vaches, pardon, qui sont là-bas. Enfin, on, va... on va essayer d'y prendre dans l'ordre, les gars. Vous avez les cochons, si mes souvenirs sont bons. Euh... Ah, là ça a bougé là. Là avant, on avait un silo ici, là. Il y avait un silo ici, je crois. Euh... Ici, vous avez les moutons. Si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez les cochons. Ah, les chevaux! Ah oui, j'ai pas assez d'art. Mais attends, mais c'est pas souci, mec, j'ai pas assez d'argent, t'inquiète. Là, j'en ai assez. Là, vous n'avez pas assez. Vous n'avez pas d'enclos pour ce type d'animal. D'accord. Ah, mais c'est. Bah. bah, pourtant, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu me dis, là? Qu'est-ce que tu me dis, Maurice, là? Mais qu'est-ce que tu me dis? Vous n'avez pas d'enclos pour ce. T... Ah! Ah! Mais c'est négociant en bétail. D'accord. Bah, alors. Alors, j'ai les quelques cochons. Ok, je spawn bien là. Ah, c'est bizarre cette histoire là. Ok, d'accord, vous n'avez pas. Donc, il n'y a pas les chevaux apparemment. Oula, c'est bizarre là aussi. Les panneaux noirs comme ça, c'est trop bizarre. Euh, voilà, ici normalement il y avait les moutons. Attends, on va essayer de, Alors, peut-être que euh, pour les moutons par exemple. Parce euh, que là, c'est les vaches. Ah non, mais c'est les vaches, là, je suis bête, ça, c'est les vaches ici. Je suis bête, c'est les vaches. Les vaches qui sont là, donc on en a quelques-unes. Et normalement, elles sont bien dans le pré qui est là. Ouais, donc c'est les vaches, ok. Mais les moutons, les gars, bah, les moutons, les moutons, les moutons. -mout ah, les moutons sont là-bas. Je me rappelle, ils sont là. Donc tout est regroupé ici dans ce corps de ferme, bien sûr. Les moutons, les gars, voilà, c'est ici. Euh, faut juste que je trouve l'entrée. Oui, c'était là ce que la laine, la laine... Ah, bah c'est là, ok. La laine spawnait ici, c'est vrai, je me rappelle. Il y avait des gros paquets de laine ici, c'était juste derrière le bâtiment, ouais, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc la stabulation, plutôt simple. Euh, mais bon, enfin voilà, pour ceux qui connaissent cette carte-là, je ne vais rien vous apprendre. Mais elle peut intéresser certains d'entre vous, je pense, qu'elle n'est pas compatible console pour le moment. Elle n'est pas sur le modèle, en fait, cette carte, ça me paraissait bizarre. Je ne sens pas qu'elle ait été volée ou quoi que ce soit, ou fuitée, enfin, je sais pas, bref, je, je ne pense pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de disponible sur console pour le moment. Ici, ok, donc là... Ah non, ça, ça ne se voit pas, c'est pour le lisier, mais bon, bref. Ok, ok, ok. Donc là après vous, on partait de la route, il y avait un petit, un petit stockage ici de la ferme. Bon, c'est des grands silos, hein, rien d'exceptionnel. Mais c'est exactement ça. Donc ça c'était le corps de ferme, on va dire. Et là on descendait, Donc les champs sont plutôt de taille moyenne. Ah il y a toujours les gens qui marchent à pied et tout. Ici on a le BGA si je dis pas de bêtises. Euh, ah non, pas du tout. Je dis une grosse connerie, c'est pas du tout le BGA. C'est euh, bah, en fait un... On va dire peut-être pour couper une deuxième ferme, ou faire une TA, ou faire un... Une entreprise ici euh, pour pouvoir stocker euh, bah, des betteraves, des panades. Ah, ça, ça faisait des grands silos à plat comme ça aussi. C'est vrai. Et ah, ouais, là, c'est ici qu'on allume la lumière. Ok. Ok, ok. Donc là, oui, de quoi ranger. Bon, la map n'est pas ouf en elle-même, mais j'aime bien. Je l'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours adoré cette map. Et je remercie Eddie d'ailleurs qui m'a envoyé le, le lien de la map. Je n'avais pas vu qu'elle était sortie. Euh, c'est grâce à mon petit Eddie que je l'ai vu. moi bon, je l'aurais. Oula, voilà, le coup de frise. J'aurais peut-être vu il y a un moment. Ah, oui, c'est vrai, la texture avait été modifiée également. Ah ouais, texture plus réaliste, je trouve, de la Terre, vachement plus sympa. Euh, mais j'ai un doute, les gars, mais elle n'est pas sortie sur l'FS19, les gars, cette carte. J'ai un doute. Il me semble pas. Mais non. Parce qu'elle était sur le 17. Euh, mais j'ai un doute. Bah non, on l'a pas eu sur le 19 encore cette carte-là. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir fait euh, quoi que ce soit cette carte-là. Et justement, j'en avais parlé une fois. Bon bref. Si elle était sortie il y a déjà peut-être un moment, du coup, mais bon, je ne pense pas. J'ai un gros doute, les gars. J'ai un gros doute. Vous me dire en commentaire, de toute façon. Euh, ici, le magasin, euh, la banque ici. Le, un silo pour un. Donc, le magasin, bon, c'est pas ouf, hein, c'est pas exceptionnel non plus, mais me demandez pas. Moi, j'aime bien. Me demandez pas pourquoi ici, on a un, un silo, enfin, euh, un point de vente. Pas énormément de points de vente, vous voyez. Bon, c'est tout allemand, hein, bien sûr, ça sonne euh, très bien allemand. Euh, mais quelques, deux, au, moins, au moins deux points de vente pour les céréales. Voilà. Euh, sur au moins 2, c'est le minimum de toute façon. Euh, donc voilà, bon, exceptionnel ici. Un point de vente là, j'aime bien parce qu'il y a un petit peu de relief, regardez, sur le bord des, des, des cartes. Il y a quand même pas mal de relief. Et ça, ça fait plaisir. Euh, les champs sont quand même assez vallonnés sur les bords de mer En fait, c'est vraiment une cuvette. Hein. Je voulais vous montre un petit peu l'environnement voilà, de, de la carte, hein, pour vous montrer un petit peu également. Euh, ici, on a des serres. Ouh. Ouh, mais alors, ça c'est... Ah oui, il y avait le point de vente de la paille <coughs> du fumier, si je dis pas de bêtises. Mais euh... Ah, on a peut-être les serres. Je m'en souviens plus de ça. Euh, je vois qu'il y a des serres, en vrai, les gars. Peut-être que... C'est quoi ça en vrai Ça, je ne me rappelle plus, par exemple. Euh, ce sera tester Garden Center, Garden. Garden Center Guleux. Euh, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on vend là-bas du coup euh, bah on vend tout ce qui est en silage. Euh, non, non, on vend le fumier. Ah oui, Garden Center, je pense que c'est le point de vente fumier. Et tout le reste, c'est le point de vente... Euh, c'est la grange qu'on fait, de Garden, Garden Center. A voir si les, si les serres marchent. Est-ce que si on met de l'eau... Euh, il n'y a pas de quoi mettre du fumier, donc ça me paraît bizarre. C'est peut-être plus de la déco, je pense. À tester, à tester, à tester. Et euh, bon, y a, pourtant, il y a un tank. à où. Ok, bon bref. À tester. À tester du coup, là je me suis fait écraser. Donc, on a la circulation, on a les gens qui marchent, donc ça c'est bien, ça apporte un petit peu de vie. Voilà, le BGA, il est ici, un petit peu, euh, bah, c'est vraiment typé à l'allemande ce, ce BGA, il est juste énorme quand même, il est quand même assez balèze euh, avec le, le malaxeur qui est euh, abrité. Alors, moi je suis, bon, quoi qu'il quand même du dégagement à hauteur, donc c'est bien. Euh, ici, on a de la déco pour du film pour les silos. Deux bons gros silos, de quoi remplir. Euh, vous voyez, de quoi remplir, on va dire. Euh, donc voilà, non, franchement, la, ma la map est très très belle. Pas de soucis là-dessus. Euh, je la connais euh, comme ma poche, à part les autres trucs que je ne me rappelais plus. Mais voilà, le, le tour en elle-même de, de la carte, vous voyez, euh, je prends un peu d'attitude. Les champs sont quand même relativement grands. Il y en a quand même des grands, hein, ils ne sont pas tout tout petits, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est bien aussi, c'est intéressant. Je me rappelle avoir, avoir cette parcelle. J'avais cette parcelle-là. J'avais. Euh... Ah, ici, on a un bon gros silo ici dans le silage, aussi derrière la ferme. Il euh, y a de quoi faire quand même un petit peu de bois aussi pour ceux qui aiment le bois. Il me semble qu'ici, c'était le point de vente de la laine, si je ne dis pas de bêtises. Il euh... y a un point de vente de la laine ici, parce qu'on venait vendre de la laine ici à l'époque. Ah, bah oui, regardez, il y a la plate de laine ici. Donc voilà. Non, mais voilà, ça me rappelle tellement de, de souvenirs. Donc cette carte-là, pour le moment pas de série dessus, mais c'est vrai que je l'adore. Ne me demandez pas. Je trouve qu'elle est facile à jouer, elle est pas surchargée. L'environnement me plaît. C'est assez aéré. Moi j'aime bien. J'aime bien ce type de map. De map là, il y a pas de, il y a pas de, de choses folles. Mais regardez, il y a quand même des champs assez balèzes. Il y a moyen de se faire plaisir avec du gros matériel quand même. Là ici, après, on peut même s'amuser à regrouper des parcelles pour ceux qui ceux qui le veulent. Donc là, je vous la mettrai sur mon site internet, shitfarmer1.fr, pardon, pour euh, ceux que ça pourrait intéresser. J'espère que cette petite présentation rapide de la carte vous aura plu. C'est juste pour vous annoncer aussi qu'elle était là et euh, vous donner envie de jouer dessus. Bah, je vous la mettrai sur mon site, shitfarmer.fr. Hein, vous allez voir tout ça dans la catégorie map. Bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde